Bon, je vais vous montrer les affaires que j'ai trouvées avec mon détecteur Garrett 250 depuis 2 ans. Je l'ai eu en 2010, puis j'ai trouvé tout ça. Ça là, c'est ce que j'ai trouvé cette année. J'ai fait une fois la détection, j'ai trouvé une vis avec 3 clous. Ok, on commence ici. C'est mon détecteur. Ça, c'est mes outils, mes gants. Nul la mouche. Ça, j'ai trouvé ça à mi-guachol. J'ai gardé une roche. Il y a un trou dedans. Profond, pareil. Bon. Ça, c'est toutes les scènes que j'ai trouvées dans 2 ans. Une belle pile. J'ai trouvé ça chez ma grand-mère. Une affaire de monde et peut-être des années 50. J'ai aussi trouvé une cuillère là-bas. La boîte dedans. Le bouchon de laiterie matane. J'ai trouvé ça dans la forêt. C'est une affaire qui mettait ses poulets. J'ai trouvé ça c'est dans le champ à William Henry. C'est comme on aurait dit de la poterie, tu vois. C'est du métal. Ça, j'ai trouvé ça à l'école. C'est un cœur que l'autre, ton meilleur ami avait, puis que toi aussi t'avais, puis là, ça fait que tu collais, ça marquait best friend. Bon, une grosse autre affaire. Une clé, une balle. C'est une balle de 210 mm. Chose de même. Les outils. Ça, c'est la première trouvaille de toutes en 2010, dans le mois de mai. C'est une affaire pour mettre ses bottes là. Puis celle-là de l'année passée, à Saint-Saëns, à l'école Saint-Paul. Ça, c'était dans ma cour en descendant la galerie. Un bout d'oreille, coquillage. Je trouve à la plage, je pense. Des clous que j'ai gardés. J'ai pas tout gardé. J'ai jeté une couple d'affaires, genre des goupilles pis des clous. Mais là, cette année, je me suis dit que je garderais tout. Fait que. Pis. Ouais, ça c'est. Des affaires de. La marde là. Ça aussi. 4 de billets, goupilles, tout. J'ai gardé. Ça c'est des boutons, des barres attachées. C'est pas mal ça, fait que c'est ça.